Le maillot du Cameroun, ça va, il est cool, il est classique. Et pourtant, il en a fallu du temps au Cameroun pour avoir un maillot normal. Parce qu'au début du siècle, ils nous ont sorti quelques dingueries avec Puma. En 2002 d'abord, le Cameroun va jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec un maillot sans manches. Un maillot genre de basket qui en vrai est hyper stylé. Et c'est avec lui que les Lions Indomptables remportent la CAN en 2002. 3-4 mois plus tard, c'est avec ce même maillot qu'ils comptent se rendre à la Coupe du Monde, sauf que la FIFA refuse. Déjà parce que c'est contre nature, hein, mais aussi parce que le logo de la Coupe du Monde, il est censé être sur l'épaule. Et donc, pour la compétition, Puma est contraint d'ajouter des petites manches histoire de faire plaisir à la FIFA. Mais Puma n'a pas dit son dernier mot. 2 ans plus tard, l'équipementier a bien compris qu'il fallait des manches sur son maillot, donc Puma met des manches sur son maillot. Enfin, maillot, pas vraiment, c'est plutôt une combinaison parce que le t-shirt et le short ne font qu'un. Et donc, c'est une pièce unique qui s'enfile par les pieds avec une petite fermeture éclair au niveau des épaules. C'est original, c'est ridicule, ça doit être galère pour aller pisser.